Oni itema di ma tobe ya kosi. Ono wali. Oni itema di ma tobe ya kosi. Oba la kilito. Haya fatu barki bari. Gina yiki. Wali woni sene. Ngrine haja fatu matabari. Volontaire des Nations Unies. On va reboquer puis ça fait au moins 3 jours. Nous ici fait comme on a fait la requête afin de boquer dira, afin de boquer dira, afin de me rénérer faire ou aller de ou magi borima ou ma ressource minière et tombe fait ma ne bire en quel mané ou ngabe la ressource ou yibore yira que ça soit financièrement ou moralement ou ngano mourici de ou maï borima parce que on a que le ou ma bori terre fertile nara bori fanyi nara ini fe wulisi atanguri barate donc nansema wonalu ma wo mabori ha kana wonyi reki parce que dunia nana réchauffement climatique womba yitema dito womba raito barina les gens qui se réclament les landuma les nale les migi forêt tous les trucs confondis basse côte womba rato. Basse-Côte fait Rili Ramara, j'ai toujours dit. Basse-Côte fait Rili Ramara. Guinan Keli Konakri qui pompe. Aska Bokebu, ou Rissi de Boke. Asare Ramoufiri. Basse-Côte fait, ce se fait Rili Ramara dire que tel est Kumbasa Bangura, quoi, non. Non. Duniama, c'est que, famille Frinana Dunia, bonjour, bonsoir, docteur Sanusi. Ta famille de conviction, Wadou Mirina Reina Fekere, c'est ça ta famille réelle. Ta famille communautaire, ou bien dire que c'est ma famille biologique, ce n'est qu'une famille. Wadou Mirina Reina Rakhli Keren Dunia, Wadou Nena Na, famille. Moi, ma mise, voilà fait. On a vu l'histoire de la Guinée ici. Faut la remorquer une débarcement à l'Amérique. Pour raconter l'histoire de la Guinée à leur guise, à leur faveur. Parce que c'est ça l'idiotie de l'intelligentsia guinéenne, la perversité de l'intelligentsia guinéenne, des sages guinéens. Et bien, c'est moi aux États-Unis pour faire des manuscrits. Et dans la Guinée histoire, il y a la Vano Wong, Idi Amin Tokinara. Comment il a mélangé l'histoire de la Guinée en sa façon de malinquer. Parce que la Guinée, une communauté frinanabe, les maîtres de la Guinée, les mandinkas, ces extrémistes malinqués là. Parce que les gens de la moindre Guinée, ces gens de IFDG là, et ils n'osent pas. Ils connaissent ces gens là depuis les temps immémoriaux, depuis les Grecs. Et ils connaissent. Ces gens-là, ils sont capables de quoi? Les trucs de Malcolm Maut, ils connaissent. Et Saint Touré est venu, il les a traumatisés de plus. Depuis ces gens-là, depuis les Samoriens et autres, clôturés par Saint Touré, ces gens-là, ils n'osent pas. Ces extrémistes malinqués-là. Ils m'ont dit, la puissance et tous ces blogueurs, et les rafébiri. Suleymane Kondé n'y fait pas. Suleymane Kondé a parlé de. Parce que dans les subconscients, ce sont ses maîtres. Il va mettre né là. On a mis ces vieux-là, ces intellectuels de la moindre Guinée, qui sont regroupés aux États-Unis, ces vieux. Ils ont fait leur livre, manuscrit. Bambara, tu es bien sûr, odieux et savé, sur les pages. Ils disent, et dans leur histoire, c'est ici à Gatouré, les frères de Sept Touré, Fodé Touré, quoi Touré, quoi Condé, quoi. Et ils disent que l'ancien Comté était même régisseur au Cambouaro, que c'est l'ancien Comté qui tient les gens au Cambouaro. Mais la question que je pose à ces vieux-là, ces vieux intellectuels, de la moindre Guinée. N'a rien ces malangues là qui, c'est IFDG là. N'a rien ces malangues États-Unis là qui.
qui sont là à pointer du doigt Siaka Touré, Kwa Touré, Kwa Kondé. Parmi tout Kambouaro, il n'y avait pas un peuple. Foule Yomouna depuis en 58, parce qu'on nous sommes à Samoriku. Depuis en 58, il n'y a pas un bari pervers, il n'y a pas un diable pervers, ou bien un saut pervers, pendant le régime de Sékou Touré. Donc vous, ce sont les malinqués seulement qui sont des bourreaux, et suivis par certains soussous comme les lances à la Conti. Il n'y a pas de peur là-dedans. Votre histoire que... Et puis je vois ces ignorants-là. Ils prennent ces histoires-là comme argent comptant. Ils viennent les triquer sur les pages. Quand on recoupe l'histoire, Mamadi est là. On va même laisser Alpha Condé. Mamadi est là. Un mal calme auto-ambulant. Un pervers. Un cynique. Qui entoure Mamadi? Un, c'est Elaz, comment il s'appelle? Comment on appelle le président d'Alpula? Docteur Sanusi, comment il s'appelle? Ah. Bon, président d'Alpula, Docteur Sanusi a fini par la mambe. C'est lui le premier ami de Mamadi pour exterminer les peuples. Entouré, encerclé, en tête du pyramide. Merci Docteur Sanusi. Et là, Alseni Bari, en tête du pyramide. Malgré que vous dites que les peuples, depuis en 58 sont tués, il n'y a pas de peuple là-dedans. On laisse Touré, ça c'est dans l'histoire. On laisse Lazana Conte, c'est dans l'histoire. Dadis, Sékouba Konaté, Alpha Condé, tout est dans l'histoire. On revient au temps présent. Moi, je vais vous poser des questions. Vous saviez qui sont là-bas, aux États-Unis, les vieux de l'IFDG, là, qui racontent des bêtises, là, ils disent histoire. Mamadi qui est là, au temps présent, il est entouré par ses élèves, là. Alsen Bari, le président de Alpula, en tête du pyramide, à côté du pyramide, il y a Baouri. De l'autre côté du pyramide, il y a Kerno Mamadou, le conseiller personnel de Mamadi. Et il y a Ousmane Gawane, et il s'ensuit. Si vous voulez raconter l'histoire de la Guinée, racontez la vraie histoire de la Guinée. Ce n'est pas en stigmatisant un groupe ou bien en pointant un groupe ethnique. Non. Ce sont les peuples mêmes qui ont exterminé les peuples depuis que la Guinée est Guinée. Vous n'êtes, ce n'est que des businessmen. Alseni Bari, pour le gars ici, il raconte de l'argent, il peut tirer tout le foutard. Mais vous vous regroupez en trique surnoise. Non, c'est un peuple. On va parler de Mamadi. C'est Mamadi qui est en train de tirer les peuples. Donc, hélas, Alseni Bari, lui, il ne fait pas partie. C'est que vous pensez que les gens sont des fous. C'est pourquoi je vais revenir à mes frères. Les Fodéoussou, les Ibouiraji, les gens qui sont partis s'adopter ou s'accommoder, s'accrocher à ce mal qui est IFDG et RPG. Autant société la reine à CNRD. Parce que CNRD n'est qu'une sous-branche d'Alpha Condé. Nous sommes en Akoui. Ce parti qui se dit là, IFDG et RPG, c'est que ce sont que des hypocrites. On va écouter notre frère, notre contribuable, parce que c'est pas notre. Combat tu fais. On va écouter Damaro avec Jibril Azi. Après, je développe. Bonsoir. Sur ce dé, Wayala Ringri, Wara Badoy, vous connaissez pas les gens. Ils me disent pas, c'est KPC.
et son équipe là me disent pas là de laisser le CNRD là. Ils vont pas me dire Damado, il faut attaquer. Il faut faire le jeu de Charles Wright. Continue à faire le jeu de Charles Wright. C'est toi qui es le perdant, tu sais. Dieu seul est témoin, tu sais ce que tu m'as dit. Tu sais, Dieu seul est témoin. Ina Colomb, il faut continuer, mon frère. Moi, je vais, moi, je t'ai dit, hein, moi, je, tu sors, je vais sortir. Et ni des ballons, à cause des autres, je vais laisser. Moi, je ne me reproche rien, dit. Hein? Moi, je m'assume. Que moi, ce que j'ai dit, ce qu'on m'a dit, si je mets les preuves devant toi, je ne vais pas rentrer dans ça. Il y a un collègue Parce que moi je leur pose des questions. Tu te mets en prison. Toi-même, parce que il y a la hypocrisie colombabide. Mais on va venir sur ça. Parce que, bon, c'est que les Sosoka et les forestiers, ils viennent des manipulateurs à qui j'ai toujours dit à Zibouilaz, ils pensent qu'il est intelligent. Non. Quelle que soit ton intelligence, toi tu es rentré dans la manipulation. Et ils sont nés dans ça. C'est leur terrain. Ils vont nommer là. Ils vont te détruire. Je vais vous dire, il y a trois personnes dans ce monde-là à éviter. Un, l'hypocrite. Deux, l'envié. Trois, le sournois. Mais tous ces gens-là, IFDG et RPG, ces gens-là, parce qu'il y va même maniquer, alors on a RPG, à quoi le maniquer, quoi bien là. Il y va même fouler un naïf des gens qui ont foulé comme il a. Ça, c'est parce que une chose, c'est que les, ces deux-là, ces deux compartiments-là, les reines à Guinée-Canarie, leur chose en commun, c'est quoi? C'est le faux semblant. Et ils n'aiment personne. Ils n'aiment personne. Maniké n'a rien dit dans le RPG. Foulé n'a rien dit dans le IFDG. Et ils n'aiment personne. Ils n'aiment personne. C'est que leur point commun, leur dénominateur commun, c'est le faux semblant. Mais, comment reconnaître ces gens-là? C'est quand tu es en incompréhension avec eux, ces IFDG-là, ou bien ces RPG-là, ou bien quand ils voient qu'ils t'en ont fait de stoffer, On va prendre l'exemple sur notre frère Fode Oussou. Makola Kassori n'a qu'il m'a kaba. Il était parti pour réceptionner Kassori. Foulan Kelima Kassé, nous donne l'internat qui a réceptionné des. Même s'il travaille avec Alpha Condé, ça ce n'est rien. Mais comme Kassori, lui il est dans RPG avec Alpha Condé. Fode Oussou, c'est un frère. Fode Oussou n'y veut si il a réceptionné des, ça devient problème. C'est ça IFDG et RPG. Mais, n'a pas fait ma société de l'IMB, n'a rien à CNRD, n'a rien à IFDG, n'a rien à RPGB. Si vous vous accrochez aux gens-là, vous allez dégringoler. Ils vont finir par vous, vous détruire. À coup sûr. C'est que, alors, ils se sont mis dans un carcan. Et là-bas, il y a Taou. Jibril Azi. Et nous demandons, Barasende, Bavin de Mirikerella. Et Rassekre, voilà mes bons rebelles. Mais ces gens-là, ces extrémistes de IFDG et de RPG-là, ils sont très risés. C'est ce que. Ils ont une manipulation surnoise. Politologue 224, Itimouti. C'est que ces gens-là, parce que tout on est dans la vie, expliquez-moi. Parce qu'un hypocrite, à partir de ses traits, Alain Aré Matenguer, le mensonge, fausse promesse, et ces trucs-là,
C'est un peu facile de détecter un hypocrite. Un envieux, dès qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de triste sur son face, son visage, tu peux, c'est un peu facile à détecter. Mais un surnois, parce que les IFDG et ces gens-là, ce sont des surnois. Ils ont une manipulation surnoise. Ils ne veulent jamais détruire. Parce que ces gens-là, alors Jibril a dit, nous demandons d'être une femme la Kéran, Mire Madarou. C'est pourquoi j'ai dit à tous les sociocas et les forestiers, c'est qu'il faut rester sur tes gardes. Parce que ces gens-là, ils savent que, parce qu'ils sont nés dans ça, ils savent que tôt ou tard, c'est que on a voulu dans Gouma, à Minimane Kenema, et ils vont avoir tes secrets qu'ils vont garder, qu'ils vont utiliser contre toi demain. Jibril Azina n'en a pas. Dans ma retour en Amérique, n'a qui, à la Goumarie, n'y a qu'un aïe. Matamouti ma yenge nous Jibril Azina ouais. Ça c'est une de leurs qualités. Ou un deuxième mérite ou mal ou bien un deuxième mérite. Amouti ma loser de l'erreur na kolo. Ça c'est une de leurs qualités. Ou un deuxième mérite na la mal ou bien un deuxième mérite. Amouti mera radé kolo. Ça c'est une de leurs qualités. N'a pas qu'on de radé kolo. Ça c'est une de leurs qualités. Ce sont des personnes qui sont très sournoises. Et y'a où? Abara, nanantoun ouem, à chaque fois je parlais à la femme de Jibril Azi de faire attention. Et nous avons une conversation et n'arrête là-bas, ma. Damaro, à partir d'elle, peut-être, je ne sais pas. Après, c'est que j'ai fait beaucoup de trucs sur Jibril Azi. Et ce sont les mêmes trucs aujourd'hui. Atawama na angoma. Wayi na angoma. Parce que, à Jibril Azi, by force, Azibril Azira fait un combat continué. Quel combat? Quel combat? Jibril Azira est quoi dans l'IFDG? Quel combat? Mais Azibril Azira, en cas d'incompréhension, en allant à Azibril Azira, ça va compter, à information et n'a rien à y. En allant soutirer, à partir de la famille même de Jibril Azira, il va utiliser ça contre Jibril Azira. Pour lui détruire à coup sûr. C'est ça. Nene ni va même manikere na IFDG ou RPG ou Nikata. Il a tara cette collaboration là. Je dis ça à tous les sosoka. Il n'y va même fouler na IFDG, nene tara, c'est là. Fais attention à lui. Ils sont très rigés. Ce sont des surnois. Et une manipulation surnois, c'est quoi? C'est une forme de manipulation. Les gens qui, c'est que, ce sont les gens qui vont te contrôler de façon très subtile. Même en Coloma. Pour influencer tes pensées, tes sentiments, ou tes actions que toi-même, de manière cachée, pour obtenir ce qu'ils veulent de toi. Mais sans te rendre compte, mais des mains qui vont utiliser contre toi. C'est ça la manipulation surnoise. Ndamfa Yakosi, politologue. Naya David Laborera. Je parle avec sa femme. Je parle avec sa maman. Je parle avec son père. Mais un surnois, Ndamouti ma politologue Rambakolo. Mouti ma politologue Rangakolo. Mouti ma magina nous politologue Raboreto. Parce que moi, je sais que, tôt ou tard, Abraham Anan, politologue, t'a dit, et l'information que j'ai obtenue à partir de sa maman, de son père, de sa femme, de ses enfants, c'est ça que je vais utiliser contre politologue. C'est ça que Damaro veut faire à Jibril Azi. C'est ça la manipulation surnoise. Nanantuna Mino Togoro, yaye la mini Jibril Azi. Nous demandons toi la vidéo là-bas. Mais il m'a la main de IFDG Tagui. Il m'a la main de RPG Tagui. Ce sont des gens qui sont très, c'est des cyniques. CNRD. Alpha sera été namide. Rafé Roubaix. Et nous avons dit qu'il n'y a pas. Mais comment les détecter?
Ils ont toujours une communication ambiguë, des phrases secs et vagues, pour semer le doute, ou bien pour éviter la confrontation. Damanoma Totum, Wamira Bébi, Rakamini Bébi, il a toujours, c'est ça qu'on appelle une communication ambiguë. Abemu Koloma, Bébi, Mukoloma, To, Miriam Inana, Sadibaratina, Mirifa Inana, c'est que, du coq à l'âne, Koroka Virina, Sadibarato, Misribinara, c'est que du coq à l'âne, mais qui a Mukoloma? Et la février, la misère, la culpabilisation. Wamba Damaroto, c'est lui le victime. Jibril Azi le bourreau. Parce que Jibril Azi est un homme qui a attaqué Volo comme les Kassori. C'est les Jibril Azi qui sont des navires aujourd'hui. Oh, ils ont fait ensemble. Mais aujourd'hui, ils repoussent. Lui se culpabilise. Hamza, un surnoi, c'est un hypocrite qui a double face. Mais un surnoi, c'est qui? Un surnoi, là, dans qui double face là. C'est l'hypocrite qui a double face. Quelqu'un qui est surnoi, c'est que les surnois, il y a un prophète Eventora Beguera. La manipulation surnoise. Hamza, même un gars surnoi, expliquer bien. Ça, ce n'est pas. Parce que le prophète, même avant Sourate Moumini, le prophète détectait les hypocrites à partir de ses traits. Un, mensonge répété, petit mensonge. Deux, aimer la promesse éternelle. Trois, dès qu'il y a un petit accord, Anisendesendelama. Quatre, dès qu'il est énervé, il n'a ni foi ni loi. Le prophète détectait. Mais, regarde les gens qui sont surnois, ce qu'ils ont fait au prophète Hamza. Ils sont restés aux aguets. Alors, d'abord, là, la barrique. Alors, Jibril a dit, il a bien fini. Et donc, prophète n'avait la honte pas de 14h, mais il a 13h30. Et promesse, tenima. Et là, le prophète, la mouvement à 13h30, salde, et femme à Et la prophète n'a pas la voix n'a rien à me 13h30 et femme à midi n'a pas. Ils tiennent leurs accords. Prophète n'y est ma femme, elle reste avec moi. Et mes sœurs, ma prophète là, ils attendent. Ils savent qu'un surnoi sait que du jour au lendemain, tu vas faire une erreur. Il va s'appuyer sur ça pour te détruire à coup sûr. C'est ça, IFDZ. Les Jibril Azi tirent le diable par la queue. Et dans ce jeudi, il a fait la voie dans le forestier, les rosés bamba. Yo là, malébec avant, mais quoi briefer l'amour. Pendant ce temps, les tigans de la puissance, et ils font le tour du monde, des 20 continents, avec l'argent de IFDJ. Pendant ce temps, que les Jibril Azi tirent le diable par la queue, Mbale, il n'a rien d'abondi, mais ma soeur d'abondi. Les gens qui sont très tricks à IFC nous donnent. Et moi, je te dis, bon, moi, je vais me rassurer. Et les gens, ils vont la société. Et faire bien quoi, ils font là. Pendant ce temps. Et ils roulent de l'argent de ça. C'est ça, ces gens-là. Et là, vous avez même un enfant, mais on a parti. Et donc, prophète, certainement, le rendez, en plein caravane, prophète Radine, Tiga Sende, Isiga Rende, Beni Rafa, je ne sais pas, c'est Dieu a toujours un plan. Convoi Nara est en bain, parce que prophète Radine, Mouté Masoué Ramfara, Nobode, Bagedina Yala, Rande filmé Thomas Kina Laki, attend la main n'en plus. Donc, Nara Soué Laki fait, comme il va la convoi Rassiga, pour lui, la femme du prophète était dans ce truc-là. Et dans ce cas, René Fa. Et ce gars, et bien, moi, qui a son nom, c'est Dieu qui les a fait oublier. Et bien, parce que là, c'est un des que le prophète Raguinel a mis. Un surnoi.
Aboubaka Sidik n'a rien de guéma. Est-ce que moi, Adam accepte moi, Belgadi Filimbi. Lui n'est pas hypocrite, il est plus âgé que l'hypocrite. Ana voilà, avant d'en malheureux en tout. Ana voilà, ana mini, à sa dîme pour l'amirer là. Ma voilà, Robert, prophète ra guinéen, Gazoui là. Il m'a ta action n'a rien de barri. Mirina Ramfara, la souffle, il n'a qu'à la couille, nous n'a rien. Awama, c'est que, à prophète Boyerate, prophète Van Vindi, TikTok, on a remé Manaki, wong wong, prophète Yakana, c'est ça un surroi. Ils sont, ça ce n'est pas du, il y a tant de multiples faces là, double face maradi. Donc, il y a fait la culpabilisation. Il y a fait la dévalorisation subtile. Ah, Zibril Azi, regarde un simple conducteur de Ouba. Zibril Azi est toujours au Sénégal. Moutena, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, lui se met là. Il te met ici. La dévalorisation subtile. C'est ça, un surnom. Il est un nom à ministre Moudoum Glidé. Sénégal, un Tamaro, ministre, quel ministre des Affaires? Lui peut influencer quel ministre des Affaires étrangères? Mais ni moi, ma société, et moi-même. Quand tu vois, il était ma femme à cause des miettes. Mais Rafa, il va pas se compter, là où il y a le poisson, il y a la mer, il y a la bauxite, il y a tout. On peut vivre même du social, en basse-côte. Mirefa, et vous menez pas, vous devenez les griots. Bandanan Touma Zibouira Zéla, Fekali, les Takana, et ils deviennent les griots de ces ans-là. Il n'y a pas, attention, c'est des minibéti kanké. Saliba, Salima, Ateriki, Asumba, Amisa Bama, Anatelan Sunati, Manabe, du n'importe quoi. Il qui n'a toi, il me ritori. A Karagine refoulé ma. Il était ça là, n'est pas des placements. Il était ça là, Karagine placement. Les Karagine du 5 septembre. Il t'a nommé ma femme de Guinée, tu es là là. Ko, ça dit pas sous ma salima. Mais il sous ma pourquoi? Parce que dans le surat de pèlerinage, Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit qu'il n'a rien à faire avec nos prières. Il n'a rien à faire avec notre pèlerinage. Il n'a rien à faire avec notre jeûne. Quelle est notre intention qui monte vers lui? L'intention de nous entre-aider. La bienveillance. Nana téma tamba. Si toi ta prière, bah on a rabbi Slimina Wobrina. Parce que la prière, quelle est ça l'idée là, misera? La prière, le jeûne. Pèlerinage, misé, misé. Atide na misé là. Hé, salima, et souma. Et en femme à Facebook, mais vous voulez en faire là. Ou bien tu dis quelque chose, parce que t'as un marat ou n'a qu'il est. L'injustice. Il a connu, mouna salifé, mouna soufé, mouna c'est la baffe. Parce que, prophète misé, fala miré. Prophète ma fala miré, ben, en fait, il a ouvert face à dino. Il dit, j'ai été envoyé. Pour pas faire vos comportements. Parce que la prière, le jeûne, tous ces trucs que vous connaissez, ce n'a qu'un seul but. Interdire le blâmable et le tripitude, l'injustice. Mais Rissou Mananama, Issal Mananama, Issama Guinanama, Issalaba Mananama, maintenant qu'on aime Issalaba. C'est pour interdire le blâmable et la tripitude. L'injustice, la perversité. Mais être un nanan là-bas, à mes manières, salima, il n'y a mis ses salis. C'est pourquoi, bon, on va continuer à citer les comportements des surnois. L'inversion des rôles. Donc, il se positionne en victime. Être un vilbi, c'est de là. L'inversion du rôle. Et Raphaël de Nanaki. Le changement du sujet. Il n'a tout ni rien.
c'est un surnom. Le mensonge et la dissimulation. Attends, raoulé nous, hypocrite et raoulé quel maradé. Attends, raoulé tout maraoulé moi lila. Il met le mensonge dans l'enveloppe de la vérité. C'est ça un surnom. C'est pourquoi le prophète David même a été bloqué. Quitte de sa fille. Parce que quand l'ange, parce que le sournois, ce sont les gens qui sont venus jouer le rôle. Le mensonge, mais de façon dissimulée. Il voulait Tongo à sa nom d'enveloppe. Alpha Condé, le bâtisseur. Et Zibril Azirani. Havandoro, Anafel Alpha Condé, le bâtisseur. Djibril Azifa m'a dit son nom. Alors, il n'y a pas compté le destructeur. Il n'y a pas dit. Si nous, on n'a pas même fait là. Il n'y a pas même sur ce débat. Maintenant, pour clôturer tout, est-ce qu'il nous a fait quoi? Il t'isole. L'isolation. Comme, face, c'est que, est isolé à ta communauté, à ta famille, c'est qu'il t'isole. Et là, on a barré, c'est de l'aïk. Aujourd'hui, il va isoler Djibril Azi. Parce que Djibril Azi, son subconscient, son âme, va être avec lui. Il a resté dans la minimago, il a tes secrets en aluminamoufan. C'est pourquoi Djibril Azi, il ne faut pas aller en classe avec lui, hein. Et il soit en avance, je t'ai toujours dit. Tu sais que l'IFDG n'est qu'un parti, c'est que de businessman. Les anciennes balles sont là. Ils sont là. C'est eux les parents de Mamaya. Et Colomb, c'est eux-mêmes, ces peuples-là qui vendent leurs parents peuples. À cause du gars Israël. Sans nous, il va à quoi il soit, il faut la dire, il va. C'est lui de l'antilidonce, fou la birifara. Sinon, depuis 2010, on est 58. Ces extrémistes de la Haute-Guinée, le massacre depuis 2010, que ces gens-là ont fait sous l'axe. L'axe seulement. Quand tu vois aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens-là qui sont la couverture même, la colonne vertébrale, la pièce maîtresse même de ce régime-là. Dictatorial qui est là. C'est que, c'est un gouvernement qui est Djibril Azi, la colombe, ces gens-là, Kobriné Matori, Foulenaré Farafé, ce n'est pas leur problème. Mais Djibril Azi de René Yama, ils vont te détruire. Ils vont te détruire. Mirimu Sungouma et Mirera. Non. Parce que, Douniama, parce qu'il veut qu'il y ait l'affaire du destiné là et du libre choix. Parce que Dieu dit, parce que Wendama la Guinée Karamor Renare, FFTO Miri, Mamara Girina, et Dieu nous parle du libre choix dans le Coran. Alors, Amiré Makitimane, parce que libre choix nané, et un choix rabama et ravima. Djibril Azi, le libre choix, c'est quoi? C'est de ne pas faire tout ce qu'on veut. C'est que le libre arbitre, c'est pas que je peux choisir de vivre tout ce que je veux dans ma vie. Tu n'importe quoi. Non. Le libre arbitre, c'est quoi dans le Coran? C'est choisir la façon dont je vais réagir à tout ce qui m'arrive dans ma vie. C'est pourquoi Ibrahim alayhi salam a été le père des croyants. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est choisir la façon dont je vais réagir à tout ce qui m'arrive dans la vie. On dit soumets-toi, on dit je me soumets. Parce que, alors qu'on a un calibre, soit dans la voie. Hein? Non, on est l'esclave. C'est qu'on n'a pas le libre choix, non. Libre choix, mon ami. Quand il y a une période de difficulté, très difficile,
que tu choisis à travers cette période de difficulté là d'apprendre, de t'adapter, d'accepter, d'être patient et de grandir, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le libre choix, c'est quoi? C'est utiliser cet événement-là pour lui transformer à la fois en fin d'arrêt dans la pénibilité. C'est que à la fois en fin d'arrêt la difficulté dans la difficulté, il a difficulté transformée en quelque chose qui va te faire grandir. Et derrière cette difficulté, cette pénibilité, il y a la quoi? Il y a la joie. Il a toi, mon étoile, mais ce n'est qu'un faux semblant. Toi, mon adunye, ce n'est qu'un faux semblant. Et nous avons un libre choix. Mais un libre choix, nous vous fallait dire ce que l'IFDG m'irait fort d'avoir du gars, il dirait, de n'importe quoi. Mon tour, IFDG, où les fait RPG, où les fait là? Mamadi fait, où les fait là? À cause. Parce que tu es contre quelqu'un, à cause de ta peur de l'inconnu de demain, à cause de ta peur de le fénard, mon homme en bas le stodé, c'est que tu vends ton âme au diable. Oh, il n'y a pas de difficulté dans ce monde-là. Non. Dieu ne fait qu'un faux semblant pour voir maintenant qu'est-ce que tu vas faire. Sinon, il n'y a pas de difficulté. La difficulté dans l'enfant, là, qui lui venait transformer avec ton esprit orienté solution. Il est transformé, il lui fait fin de là. À toi, mon arambre, il n'y a rien. On m'a pensé notre cerveau reptilien. Maintenant, tout le monde avant là, on me dit, hey, c'est grave, il y a danger. Hey, il nous ira pas là. Alléluia, il ira pas là, il y a un danger, il va le stomper. Il n'y a rien, il va le stomper. Après, il voulait. Moi, j'ai débarqué dans tous les pays sans connaître personne. Au Sénégal, je ne connaissais personne. C'est mon cerveau reptilien qui va jouer tous ces films-là. Il se ride sur mon nez, tout un faux semblant. Moumiri Okolo, Mauritanie. Quand je suis rentré en Mauritanie, quand je partais pour jouer chose, Slim. À 3h du matin, là, il n'a rien arrivé. Mon cerveau reptilien me dit, oh, Toba Kanera, en plein froid des déserts. Mais tout ça, c'est mon rabat. Ma colère, ça n'a rien à me dire, il faut faire un débat de longueur. Vous avez intégré ça, ah, bon, t'en as qui n'a qu'on va, c'est de la nabe, qu'on va au sabé. A au mou, non, ma scadé, hôtel, et c'est de la nabe, au sabé. Il n'y a rien qui va se passer. Partout, au Maroc, je ne connaissais personne. En Égypte, je ne connaissais personne. Partout dans le monde, je ne connais personne. Mais rien ne va se passer. Il fait l'ambrito, mais il y a danger, c'est grave. Hein? C'est le cerveau. C'est pourquoi le prophète d'Anara donne à nous Bari, misérable. À cet enfant, il non, ce n'est pas cet enfant. Il y a notre inconscient. L'inconscient fait quoi? Le cerveau reptilien fait quoi? Il fait semblant de nous protéger. Et la partie là est guidée par le Satan. Après un problème, il fait semblant de nous triquer. Satan fait quoi? Ce cerveau fait quoi? L'inconscient fait quoi? En arrière-barato, il a un gars furikoui. Rimbeli ni sou. Même en plein 14h, il a un gars fait les mamans. Il nous a peu subidon fait. Il ne fait que triquer. À partir du cordon ombilical, peu subidon fait un gars sou. Il nous a fait un an là-bas fait. Tout passait bien ici. Dumedi nous bala misère à bama. Anouyengi parce qu'il respire à partir de sa mère, du cordon-là. Mais ça va, Masono. Dès qu'on coupe ce cordon-là, Anouyengi, le poumon, se trique. Nan, là-bas, nous, on
maintenant à ma sœur. Il est parti là-bas. L'inconscient vient maintenant te donner des illusions. Adam a nous n'a pas de mort. Adam a nous n'a pas de mort. Il va s'alabir mouler. C'est pourquoi j'ai dit au Sosoka, c'est que ne vous accrochez pas à Mamadi. Les général Bich et autres là, ils vont vous détruire. C'est que, et aura famille Kanamane. Ils vont avoir vos secrets. Et ils vont utiliser vos secrets là contre vous. Ces gens là sont mauvais. Ils vont vous mettre dans les prisons à ciel ouvert. Ces gens là sont très mauvais. Mirina Abilis Yari FDG Kui. Abilina Nanam Kui Kito. Nagan, c'est des sorts égui, Mune Madi. RPG, et Birina Nanam Kuito, où est Kassori? Entre les 4000, où est Alpha Condé? En plein délinquance et truc. Ils sont comme ça. Où est Dadis? Entre les 4000, où est Konaté? En plein délinquance, en plein, comment on dit? Dans la nature, en train de diambuler. Ils sont comme ça. Et c'est que, et ils sont nés dans ça. Dans la tromperie, ces gens de RPG là, ils sont nés dans ça. Maintenant, vous l'avez vu, un socio libre, il pense qu'il est intelligent. Il pense qu'ils sont intelligents. Faut pas avoir. Hey, il vit au Romba. Ou à quoi il a fait? Le prophète Choy, c'est qu'il a voulu tout ça à coup. Tu vas penser que la vie, ton demain là, tina, que ça va être facile, non. Tu es en train, c'est que, de te mettre dans une prison dorée. Il a balayé ta roue, toi-même, tu t'enfermes, il s'habille au lit. T'as dit. Il m'a demandé à quoi, ou bien s'habille au lit. Le prophète Shoaib, les gens sont venus lui voir. Ils ont dit, hey, prophète Shoaib, tu connais pas, il m'a business, quoi. Tu connais pas le business. Nous sommes des businessmen, des brigands. N'a rien miré à ces mamans, mamadé là, n'a pas mal. Et là, le prophète Shoaib, il a eu moi ce qu'il fait dans la Haïti, il m'a eu quand il fait dans la Haïti. Il est mal à où il aura eu ça dit là-bas. Alors, oui, il fallait bien. Mais, tu viens, où tu as un business là-bas, donc, là, tu les dissiades seulement. Prophète Shoaib, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, n'a quoi de lui rade bramane au bourre. Elle lui ragine bra au bourre. Il ragine ni ouem, madame Rora Bébri solo, attendit ma bébri. Anna prophète Shoaib, n'a quoi de lui n'a rien à qui. Il a l'entendu ma go, il y était dans Dara, l'hôpital américain de Paris, comme un financier collé. Attends, quoi de lui. Ami d'Anna ma go. Elle rend mané à l'hôpital. Alors, il y a un cabaret à l'hôpital qui est là, ma mère dans le mago. C'est pourquoi j'ai dit à les Bilazi, retirez-vous de ces ans-là. La vie, c'est que, voilà, sur le temps, Dieu dit, il a giré sur le temps. Le temps est très précis. Dans ce monde-là, c'est que, on nous sait que l'on a greffé d'une mais c'est le temps. C'est pourquoi l'homme a créé un faux semblant à flatter le présent. Le présent n'a jamais existé. Quand j'ai dit tout de suite, Abdul Gallo, c'est au passé. Si je vais dire c'est au futur, il n'y a jamais eu de présent. Bon, mais quel veut dunia c'est là? Présent ou dunia kerende? C'est le jour que l'élève du prophète Moïse, Yusha, pour faire rentrer les gens, les enfants d'Israël, sur la terre promise, il a dit à Dieu, Fitir Nouba Mokore, il dit Dieu, 18h30, Aratsogera Timani, Eraso, Palestine,
Soyez Fadouna. Dieu a fait arrêter le soleil. Na 18h, ma mère. Hankere, combat à Yurasso. C'est le jour là qui a eu seulement le présent. Quelle durée est-ce là? Il n'y a pas de présent. C'est que l'homme tend à sa perdition. Il attend bien, il fait. Il ne va pas. Il m'a regardé. Derrière ces as-là de IFDZ, ce n'est pas le problème. Mirina Revave, Bambetonaki, ce n'est pas le problème de IFDZ. Les Bitsou là travaillent avec les maires. Et finalement, ils ont organisé ma bille conseil. C'est les balances à moi. Djam, moi je ne fais que transposer ce que les gens disent. Djam quoi, de Canada. Il a dit ici que Bixoul parle de façon permanente avec les balances à moi. Ou Bixoul est au rouleur, et t'en as à mettre Yombe Rassandela. C'est que ces gens-là, ils font de faux semblants. Fou les narrés vraiment qui ce n'est pas leur problème. Roger Bambasga n'a voulu n'en plus. Zibouila, j'y fais attention. Nous avons mis ma téléphone pour nous. Moi, je conseille ici. Pour que ça profite à tout le monde. Fais attention. C'est pourquoi nous sommes aux États-Unis. Policiers, M. Singe, fais attention où tu mets tes pieds. Diagano, merci, docteur Sanusi. Et toi, sous le honneur. Djibril Azi, tu as entendu, à Koulouma Mène, Yébili Wolfe CNRD, tu as entendu l'intervention de Bixoul, amen. Tu as entendu toutes les transactions que tu as faites, c'est ça un sournois. Toutes les transactions qui étaient venues sur tes comptes, Damaro avait commencé à tout dire. Si on ne lui avait pas stoppé, parce qu'il voulait tout mettre sur toi pour que lui se blanchisse. C'est ça RPG. Aujourd'hui, tout est sur le dos des Kassori. Alpha Condé fait son truc à l'aise. Aujourd'hui, tout est sur le dos des Nadis, les Kéboro, les Idi Amin, les Bala Samora, les Sekouba Konaté, ils sont avec les filles dans les ghettos, ils sont en train de faire de n'importe quoi. C'est ça RPG et IFDG. On ne parle pas de Yando ici ou bien de Sceaux. C'est ça l'idéologie, la doctrine même, la philosophie de IFDG et RPG. Ces gens-là d'une personne, ils sont très risés, très mauvais. Ce se dit, si y'a ce d'ouvre ta guillée, il t'en a colo. Forestier, si y'a ce d'ouvre ta guillée, il t'en a colo. Mais tu tends vers ta perdition. Ils vont te détruire. Ils vont te mettre dans une situation incontrôlée. Tu ne pourras plus te contrôler. Et si l'être humain, parce que Dieu nous dit à partir de quoi? Si l'être humain n'a plus la capacité de contrôler ses actions, si l'être humain n'a plus la capacité de contrôler ses émotions, si l'être humain n'a plus la capacité de contrôler ce qu'il dit, parce que quelle est la différence entre nous et les autres animaux? On dit animaux, les autres animaux ou animaux. Bon, les autres animaux. Quelle est la différence? Un, c'est ce qu'on dit. Deux, c'est l'esprit que nous on a. Nana Rassigne, nous, le temps des anciens, on dit je te donne ma parole d'honneur. Parce que la parole, elle est sacrée. On dit au commencement. Avec la... Si toi tu ne peux plus contrôler tes paroles là, Damaro te dit de continuer le combat. Et toi, Jibril a dit, tu es obligé de venir mentir maintenant. Acceptons, c'est qu'il y a trois choses. Il ne faut pas les laisser contrôler ta vie. Un, ton passé. Le passé est dans le passé. Réponds-toi, tu reviens au normal. Deux, les gens, ces gens sournois là, les portes, ne laissez pas les gens contrôler ta vie. Non. Trois, l'argent, le matériel, ne laisse pas le matériel contrôler ta vie. Surtout les Sosoka, avec leurs problèmes de miettes, personne ne réfléchit. Dès qu'on lui donne $100, il vient à boire n'importe comment.
pensant que c'est les 100 dollars. Regarde. Peut-être que les gens qui ont combi Matima, qui travaillent pour Alima Toudale. Où est Alima Toudale aujourd'hui? Elle est où? En 100 dollars, 100 dollars, la même fille, n'a pas bloqué. C'est elle-même aujourd'hui. Et là, sur ce du matin, il n'y a rien à là. Les anneaux et autres là. N'est la même ma fille de rire avec des comptes. Ça a toujours été comme ça. C'est les Allemands tout d'un qui les a fabriqués. Et Raphaël Mirenga Kombi pour stigmatiser. À la cause, on se fait racana. À mon nom, ma Canadien. Non. Dieu est juste. Il est très juste pour ça. Yvido Rambawa Kouyafé, pour finir cette vidéo. C'est pourquoi, dans la vie, pour abattre ces pervers narcissiques-là, il n'y a qu'une seule solution. Comment abattre les pervers narcissiques? Les Damarola, les gens de RPG, les gens de IFDG, comment les abattre? Parce que quand on regarde dans, on fait une petit truc dans les sourates, comme sourate Fussilat, sourate Yassi. On fait des trucs, des analogies, des rapprochements. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon? Quand tu regardes les pervers narcissiques, les Abou Diara, les Fraouna, et tu regardes les prophètes, ils ont tous un dénominateur commun. C'est pourquoi c'est très difficile pour un manipulateur de terrasser un prophète. Parce que les gens qui peuvent terrasser les pervers narcissiques, ce sont des gens qui ont une haute potentialité émotionnelle. Parce que ces gens-là, ces pervers narcissiques, ces hypocrites-là, et les prophètes, ils ont les mêmes agilités intuitives. Ils ont les mêmes compréhensions des choses. Ils ont les mêmes agilités en termes de compréhension des émotions des gens. Ils ont les mêmes compréhensions. C'est qu'ils arrivent à percevoir de la même manière. Ils ont la même qualité, le même fonctionnement de base. Les hypocrites et les prophètes, ils ont le même... C'est que... Et puis la base de fondement, c'est la même chose. Un pervers narcissique, un mamadi, c'est un menteur par excellence. Il veut, c'est que ramener les gens à sa cause, à partir du mensonge. Il est très subtil. Le prophète aussi est là, Moïse. Il veut ramener les gens à sa cause, mais à partir de la vérité. Mais ils ont tous le même fonctionnement. Après, ils ont tous le même, c'est que, le même fonctionnement de base. Mais, quelle est la différence maintenant entre ces deux-là? Ils ne sont pas guidés par les mêmes intentions. Et puis, il y a un rôle, et puis, il m'a fait que parce que nous, sur la Fussilat Mato, le prophète, c'est qu'il a été très faible. Je suis très faible sur mes trucs, sans tolérance, tolérance zéro. C'est un maï. Et un hypocrite aussi, il est très faible, sans tolérance, tolérance zéro, très faible sur son mensonge, comme maman dit. Il a sa vision, comment atteindre. Il n'a pas d'émotion. Le prophète aussi, lui aussi, il n'a pas d'émotion. Il veut atteindre son objectif. Fraouna Mamadi aussi n'a pas d'émotion. Il veut atteindre son objectif. Ils ont le même fonctionnement de base. Parce que si tu n'es pas ferme, les hypocrites, ils vont finir par t'emporter. Quelqu'un qui n'est pas ferme sur sa décision, ils vont t'emporter. Parce que les pervers narcissiques se nourrissent de la destruction, de l'énergie des gens. Tandis que les prophètes se nourrissent de quoi? De la bienveillance, de l'empathie, de la vérité.
des choses très intelligentes, de la compréhension, de l'adaptation intuitive. Inato, et bien, il y a un kérénaire, mais il y a une intention et un kérénaire. Bon, il passe par le mensonge, mais à fin de non dire, pour tirer les gens vers lui. Bon, il passe par la vérité, pour tirer les gens. Mais à toi qui m'a folé, c'est pourquoi les gens même, ils m'ont envoyé par Facebook, malheureusement. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a été manipulé par un hypocrite, même si toi tu es un véridique, il a entendu ça avant de la bouche de l'hypocrite. Il va penser que toi aussi tu es venu pour lui manipuler. C'est pour qu'il fait un volabé. Il fait attention. Donc, c'est pourquoi même ces hypocrites-là, des fois, ils disent au prophète, et là, non, il est venu pour nous tromper, pour profiter de nous. Parce que c'est ça, étant qu'il y en a un qui. C'est pourquoi j'ai dit à tous les gens, faites attention, restez ferme. Sur faute, c'est que sur vos convictions, bien avec colonie Facebook, ne laissez pas quelqu'un vous intimider, ne laissez pas les injures vous terrasser, ne laissez personne, non, non, restez ferme. Il faut, c'est que tu ne pourras pas contrôler les gens, je n'ai pas le contrôle sur ça. Donc, quelque chose en quoi tu n'as pas de contrôle. Il faut casser tes émotions. Il faut rester sans émotion. Tu as un objectif, continue. Quelqu'un vient t'intimider, casse tes émotions. Tu ne peux rien contre lui. C'est au téléphone. Tu ne pourras pas contrôler. Laisse-lui. Ragina kombimati. Bon, les femmes, les gens, avant de menacer. Ma, c'est un ma téléphone qui avant vocal et la femme m'a menacé parce que m'a fallu bien et rabbi le mama d'ingara remettre de refaire voilà m'a fallu bien rabassa du bas défendu fait non non c'est du bas la rame n'a pas arrivé mettez-vous exemple tongo mouta moi les mains ton père est décédé c'est du bas moi les et la pension tongo et donc alors là, tu as abandonné. C'est que, autant d'arrêt vidéo là-bas, Mike, autant soucieux d'arrêt, ça ne va pas défendre Mike et tout. Mettez-vous à la place de ces enfants-là. Voilà qui est ton gomme à l'arrêt phare le 5 septembre. Il était fini de là. Toi, tu t'es fait enfant. Il était ça. N'a dû me dire place. Qu'il y va. Il a un gars qui a mis là, ça donne ton gars à faire celui. C'est ce que ça ne va faire. Nous, Guinée, deux femmes, être en faveur de cette banane défendue. Et venir, moi, me menacer sur mon inbox. Mamadinga, moi, je suis son blogueur maintenant. Mais, Mamadinga, il y a un goût malade. Il y a un tori. Mamadinga, il m'a café dans la yiki. A business, na Mamadinga. Il y a un yiki. C'est contrôlé par ce groupe-là. Parce que Mamadinga c'est un nabiri. Un blogueur n'entendra. La mère de Mamadi a inséré en Guinée. Il m'a café dans la bilinto, mais mato, Mamadinga non m'américain, mais rendez maka. Et t'en as fait contrôler les faits. Il est en train de faire la Guinée, c'est contrôlé par son groupe. La mère de Mamadi. Malgré que je suis son blogueur. Mais, alors, remettez de refaire ta Wona Luna. C'est pour les radimer, Terry, Asina, non, on a l'une. Non, ça, ça ne nous intéresse pas. On a fait la rade, n'a pas fait ma café, oui. A fait la rade, n'a pas fait l'essence, fait, oui. Et Corantinke, Fari, qui la rade. C'est quel contrôle dans ça. Venez vous expliquer ça. Nana Mouta Matori. Et ton ta ma pension, donc, Nana Matori. Nana Laguine Kabiri Matori. A fait la rade, dit, bah, non, on va remettre à faire l'une. On a problème, Mounaki.
aura problème on a qui laisse ça. Mana Mourima, quand si tu soutiens l'injustice, Dieu va t'attaquer. Soit il t'attaque par ta santé, par tes enfants, par tes parents, mais Dieu va t'attaquer. Narebili, ça ne va soutenir qui? L'esprit de ces morts du 5 septembre, c'est que leur esprit va attaquer vos enfants ou bien vos santé. Amoussila Madele, on a tout mané à Idounia Mabé. Amoussila Madele. Amoussila Madele. Nakine, les femmes du 5 septembre, tout à ce foulaï au Macolon, même rien de profiter mon année de roumat à cause d'un kilo de riz. Parce qu'à Rali, il n'a que 2 ans, 5 ans. Qu'il veut que il n'a pas de caméra en main. À ce moment-là, il est un pervers. Naha! Il t'a malé la belle, mais il faut qu'on y ait un peu de mal à coller tant et tout le roi. Miri, ouais, mané, ben, Miri, comprends, mais sinon, ah, mané, ben, qui sait, c'est mon acquis. Elle est obligée. Elle est obligée. Ça ne va pas qu'on dit qu'il y a la pension qu'elle y a là. Anne Kéri. Autant la faro va de robé, ça ne va pas sous ma misli. Misli ni en quoi? Parce qu'on dit dans le Coran que la prière. Sali on attend de la turpitude, du blâmable et de la perversité et de l'injustice. Un pervers comme Saliba. Une ton vidéo dans ma bénin. Maintenant, maintenant, c'est fait. Arrête de n'acquérir un amadé. Parce qu'un temps, un temps qu'à combi fait mal à des fois, il dort. Quand vous l'entendez, Hugo, non, ma vidéo qui est analysée pendant 6 ans. Moumina Kui. From telle sourate to telle sourate. Nous avons une mairie dans le coin. Nous nous allons te marier avec qui. Nous nous divorcer ma solande. Et Kenema m'a dit, moi je m'en fous de ça. Nous nous allons tantôt marier avec qui. On est marié pour la vie. Pour le pire, pour le bon et pour le pire. Il y a mon fatama. Donc, quand on va faire avant de menacer ma sainte de qui. Fais attention. Fais attention. Au moins, marié, c'est l'un des. Mais, il n'y a rien où on a marié. Ah! Ton vidéo dans ma bénin. Nous t'avons fait la mi-bé là où les défendit. Non! Moumiri a dépensé Bama. Moumiri m'a dit colonne la Guinée. Moumiri a donné un collègue dans la colère. Dounia la Guirma Kinare. Moudounia Van Colo. J'ai ma perception de vie. Ibabara Fara, il a passé tout son temps à travailler. Il a mis la pension Tongo, ça dit pas moi, et la pension bloquée. Maman dit moi, et la pension bloquée, et Findi, et Kobri Doré Bouma, et nous, et la famille, et Gué, Radé, et l'ambiance à Bara. Pendant ce temps, il t'a mouno ma garande, il mouno ma dégédé. Je n'ai que cette perception-là sur la Guinée. Donc, il t'a mouri, là, ça n'a compté la famille. Il mouri. Alpha Condé la famille, il m'outore un colo. Tu n'as pas passé par ce trou-là, par ce canal-là. On n'a pas les mêmes perceptions. On n'a pas les mêmes approches de vie. Faïrov, l'Alpha Condé, c'est le bâtisseur, c'est l'engage que toi. On va faire l'Alpha Condé, le destructeur. Mais Faïrov va me menacer. Avant la vie, moi, l'Alpha Condé, le destructeur, me fait la rentorie qui est visible, tangible comme l'eau des roches. Ah. Là, ton vidéo d'Ambe, peut-être la Kaïba la comprend. Amalinette, il s'acquiert là. Kaïba.